Gabriel Attal, bonsoir. Vous êtes aussi un ami et un soutien de Benjamin Griveaux. On va vous interroger, mais d'abord on va écouter un petit extrait sonore. C'est Cédric Villani, une intervention qui date d'il y a 10 secondes. Je vous annonce, ce 4 septembre, que j'ai décidé d'être candidat à la prochaine élection du maire de Paris. Et voilà, le coup dur pour votre ami Benjamin Griveaux et peut-être pour votre parti à Paris. Richard Ferrand disait sur cette antenne, la division, c'est la défaite. Oui, c'est pas, ça fait maintenant quelques jours, si ce n'est quelques semaines, qu'on pressentait que Cédric Villani allait prendre cette décision. Évidemment, si vous me demandez si j'en suis satisfait, la réponse est non. Je la regrette, c'est même une forme de déception, parce qu'on a envie de gagner Paris. Et moi, je crois profondément qu'on peut et qu'on va gagner Paris. Et précisément, quand il y a des candidatures dissidentes, on sait que ça crée de la division. Maintenant, moi, mon souhait, c'est que dans les mois qui viennent, il y a quand même un certain nombre de mois d'ici à l'élection municipale, il puisse y avoir des discussions qui se maintiennent et qu'à la fin, un rassemblement reste possible. Les discussions jusqu'à présent n'ont rien donné. Vous l'avez regardé, je vous ai vu, vous étiez juste à l'extérieur du studio, vous avez regardé cette déclaration de candidature de Cédric Villani. Vous venez de nous dire, on peut encore, on va gagner Paris. Il est plutôt sympathique, il a du souffle, vous l'avez trouvé bon? Mais attendez, moi, si la question est de savoir si j'apprécie Cédric Villani. Oui, c'était un collègue. En tant que candidat c'était à la mairie de Paris. C'était un collègue quand j'étais député. On est dans le même mouvement politique. C'est quelqu'un de qualité. Et moi, j'entends parfaitement qu'il attire de la sympathie. Une municipalité, une ville, ça se gagne en rassemblant. Et ça se gagne avec un plan politique, électoral. Et ce que Benjamin Griveaux a engagé, depuis qu'il a été désigné par la Commission nationale d'investiture, mais même avant, et je pense que c'est pour ça qu'il a été désigné par la Commission d'investiture, c'est ce rassemblement. Avec des formations politiques. Rassemblement, c'est la division totale. Mais attendez. Vous me dites que Benjamin Griveaux a réussi le rassemblement, là on est dans un... C'est difficile de vous suivre. Vous savez, la réalité, vous savez, c'est quand même qu'il y a un candidat dissident. Vous savez, rassembler, c'est à la fois aller chercher au-delà de votre formation politique. Oui. Et il y a des formations politiques, je pense notamment à l'UDI qu'il a annoncé récemment, qui soutiennent Benjamin Griveaux. Il y a des maires d'arrondissement qui ne font pas partie, qui ne faisaient pas partie de la majorité. Oui, comme je pense à la maire du 9e arrondissement. Qui a rejoint Benjamin Griveaux. Il y a des discussions qui se poursuivent. Il y a d'autres candidats qui briguaient aussi l'investiture de La République En Marche. Je pense à Mounir Majoubi, qui ont rejoint Benjamin Griveaux. Donc cette dynamique-là, vous ne pouvez pas la nier parce qu'une personne a décidé d'être candidate à côté. Vous avez un deuxième candidat à La République En Marche. Benjamin Griveaux n'a pas été rassembleur. Il n'a pas réussi le rassemblement. Encore une fois, est-ce que je vous dis que je suis satisfait, que c'est une bonne nouvelle collective? Évidemment non. Vous ne vous voilez pas la face non plus. Ce que je vous dis, c'est qu'il y a une dynamique de rassemblement qui a été engagée. On a évoqué les noms et les formations politiques que je viens de citer. Puis il y a un travail et des discussions qui vont se poursuivre. Est-ce qu'il faut l'exclure, Cédric Villani, de La République En Marche? Moi, vous savez, j'ai rejoint La République En Marche puisque c'était un mouvement politique nouveau, avec des règles nouveaux, notamment celles de l'ouverture et de la bienveillance. Il y a un article dans les statuts, article 33. Je considère candidature dissidente, exclusion. On ne se renforce pas en se purgeant, en s'expurgeant ou en excluant des personnes de notre formation politique, quelle qu'elle soit. Donc moi, je ne suis pas favorable aux exclusions. D'ailleurs, Benjamin Griveaux lui-même a demandé à ce qu'il ne soit pas exclu parce que il faut qu'il sache que la porte de la maison restera toujours ouverte, lui restera toujours ouverte. Il est membre de la majorité, il est membre du groupe à l'Assemblée nationale. Où il a des amis d'ailleurs, ça joue sans doute aussi dans cette volonté de ne pas l'exclure.